avant que nous passions à un autre sujet, puis-je vous demander si vous êtes actuellement un hologramme ? Attendez une seconde. J'avais laissé un paquet de chips ici la semaine dernière, histoire de gagner du temps. Ok, c'est bon, allez-y, faites-moi vos trucs de psy. Vous devez prendre cet appel ? Non, c'est juste le président. Et si vous éteigniez ce téléphone ? Le président des États-Unis, je pensais que vous trouveriez ça cool. Vous aimez que les gens vous trouvent cool ? Vous relevez tout aujourd'hui, dites donc. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous refaites votre cuisine ? Sanchez, je sais que vous êtes là-dedans ! Quand je vous appelle personnellement, c'est que c'est urgent. J'étais chez ma psy, stigmatisez pas la santé mentale. Quel rustre je fais. Bonjour, je suis le président André Curtis. Je vous avais reconnu. Oh, ça c'est gentil. C'est pas gentil de reconnaître un président. On y va maintenant. En 1961, la CIA a déplacé en secret le monstre du Loch Ness dans le lac Erie et remplacé ses eaux par des eaux en titane. Elle a ensuite été mordue par plusieurs loups-garous, nous donnant à l'arrivée l'arme anti-sous-marin ultime. Lisez. Mais les soviétiques ont envoyé un farfadet qui a changé les eaux de Nessie en argent, lui inoculant une sorte de sida-garou. Elle a coulé au fond du lac et on a cru qu'elle était morte, alors qu'en fait elle dormait. Et maintenant, elle est réveillée et elle est affamée. Je défends de sortir avec ma psy. Quoi ? Mon vieux, vous délirez. N'empêche, sortez pas avec ma psy. Je ne vais pas sortir avec votre psy. Si ça se trouve, je lui plais pas en plus. Pas un geste, Sanchez. C'est à lui qu'il faut dire ça, vous le laisseriez sortir avec votre psy. Je ne crois pas à la psychothérapie. Comment on peut pas croire à la psychothérapie ? Il est scientologue. Sortez pas avec ma psy et vous soyez pas un mormon de l'espace. Pourquoi pas ? Parce que c'est débile. Désolé, vous êtes une cible facile. Vénérez ce que vous voulez. Abby, j'aime bien Tom Cruise. Merci. La psychothérapie marche. Arrêtez de penser avec votre bite.